Bon salut les gens, c'est Okona et bienvenue sur League of Legends. On est avec Echo Jungle aujourd'hui. On s'entraîne avec un nouveau champion. Bah pas vraiment, je connais un peu le champion, je suis vraiment très mauvais avec. Et finalement je vais le tester en jungle, pourquoi pas. Pourquoi pas, je l'ai testé en mid. Il faut que je m'entraîne beaucoup. Et j'ai vu des gens jouer très très bien en jungle, du coup on va essayer. On va essayer, on est en diamant 5. Actuellement on est contre une Evelynn. Dans le match-up jungle, sinon qu'est-ce que je vais pouvoir camp? Aurelion va sûrement très très vite push et aller gank la bot lane. Tiens, une Vayne, ça fait très longtemps que j'ai pas vu de Vayne. Il y a peut-être moyen de faire des trucs à la top lane, c'est très facile de toucher un Cho'Gath. La grosse hitbox du champion est quand même assez huge. Il est très lent et en plus ça peut très bien follow avec un double stun, avec le Jax, du coup, pourquoi pas. Bon j'espère... Ah oui alors, oui, excusez-moi. Il n'y a pas de... Vidéo coach abonné, la vidéo en fait est trop longue, il y a eu un problème son, il n'y avait pas tout quand non plus. Du coup j'espère que vous comprenez. C'est de la merde, c'est full merde. C'est vraiment de la merde, il y a un vraiment problème de son. Et le problème c'est que j'ai même pas regardé pour le son dans cette vidéo là. Du coup là je suis un petit peu deg en vrai. Ok. Bon du coup on va faire une petite route tranquillou là. Hop. Je sais même pas si j'avais besoin d'utiliser... Ok, donc c'est une Evelynn, ça m'étonnerait qu'elle fasse chier trop vite mon Aurelion sol. Je vais aller faire mon blue buff vite fait, je vais aller camp... gank. Waouh. Alors ça par contre c'est pas normal. Sorti par un Aurelion sol, à moins que t'as voulu résister au push. Et bah... c'est pas ouf hein. On va se faire ça, je vais aller sur le Cho'Gath, je pense qu'il est, il a wardé. Hein. Je crois que là j'ai vu sa petite ward. Alors mon smite fait 410, je suis le pire jungler hein, en passant, hein, ceux qui se demandent. Il y a peut-être la Evelynn qui va m'attendre en fait. Ah mais c'est wardé. Hein. Oh, non. Non, je voulais le stun. Bon, on l'a fait chier en vrai. On l'a fait chier, c'est pas mal. Ah merde, il va savoir que je suis là. On va lui faire peur. Non, Yveline. Secours, mec. C'était obvious qu'il y avait tout ça. Je prends une petite control ward. Je vais faire mes autres petits camps. Le Radiant, il doit avoir tellement d'avance maintenant. Vu qu'on a attiré le Swain à la top lane. En fait je suis un petit peu deg, je pensais vraiment pouvoir le stun avec mon flash. Et du coup le Jax, est peut-être que niveau 2. J'ai mal regardé ça, my bad. Peut-être la Evelynn sur moi, mais je pense qu'elle va prendre ses buffs tranquillou. À moins qu'elle l'a fait vraiment vite, ça m'étonnerait. Non je pense pas. Je vais faire mon blue buff. Ah putain. Easy ça, ça c'est easy. Allez, hop. On est là au bon moment. Putain. Ah c'est bon, je l'ai tué. Hein. J'ai cru que je l'avais pas. Quadra kill les gens. Quadra fucking kill. Moi j'ai un peu tout pris. Hein. J'ai un peu tout pris. Je vais me faire ça vite fait. Cette phase de jeu était vraiment stylée. C'était parfait pour moi. Ça va être chaud. On lui met une petite zone au chaos. Ok, ça c'était vraiment stylé de ouf. Heureusement que j'ai mis ma ward dans le buisson pour le... Sinon je l'aurais pas eu l'autre là.
Donc on va faire, on va prendre ça. Je vais prendre ça peut-être. On va se prendre ça et ça. Là par contre, je vais acheter beaucoup de control ward. J'ai eu tous les kills. C'est à moi de poser les visions là. C'est à moi de poser les visions. Même mon... ils ont tous pris une control ward. Là déjà mon équipe, en termes de score de vision, ils sont cool. Ils sont bons. Ils sont bons, c'est cool ça. Ok, bonne nouvelle. On était là au bon moment. Le Aurélien vraiment a tout fait. Hein. Genre, je veux dire, j'ai rien fait de particulier là. C'est lui qui me crée le mouvement. C'est juste à moi d'être là en fait. Là, vous voyez, il met de la pression. Top met de la pression. Bot met de la pression. Je dois être un peu partout. Là, je devrais éviter de faire de la jungle en vrai. Là, je devrais éviter de faire de la jungle. C'est obvious. J'étais débile. Là, j'ai vraiment été débile. J'ai mal joué. C'est ce que je vous ai dit, hein, c'est ce que je vous ai dit. Je devais pas faire de la jungle alors qu'il y avait trop de pression de mise. My bad. Non mais vraiment my bad en fait. Ils mettent tous de la pression. Qu'est-ce que je fous dans ma jungle en fait? Il faut que je sois là pour les assister, soit pour prendre une tour, soit pour counter gank en fait. Et l'Aurélion, bah la Evelynn, j'ai vu en plus qu'elle l'aimait bien. Je peux aller top par contre. Oh non, dommage. Tant pis. Du coup, là, c'est très très axé AP en vrai. Hein. Je sais même pas pourquoi j'ai pris ça moi. On va se prendre. Il me faut de la résistance magique là. Elle est où? Magic résistance. Il me faudrait ça là. J'en reprends une. Là, il me faudrait des bots. Il me faut mes sandales mercure. Il me faudrait un masque abyssal. On n'a pas vraiment de... 5, j'ai full dégâts. Putain, non, il a tout. Il a pas vu. Ah non, c'est bon, il y a Thresh derrière. C'est pas mal. Il peut bait un truc. Ouais, c'est bien ce qu'il fait. GG, les gars. Oula. Pas mal, mon stun était vraiment bien. Bon, j'aurais dû. Là, je devrais laisser des kills. Là, je devrais laisser les kills. Putain, je suis des. L'Aurélion joue tellement bien, les gens. Mais il met tout, hein. Merde. Il met toute la pression sur lui. J'ai juste à venir, on a juste à venir. Il crée le mouvement. Et le problème, c'est que moi, quand je joue à la mid lane, je suis plus ou moins comme lui, hein, sans prétention. C'est juste que bah, j'ai pas mon jungler en fait. Mon jungler, bah, c'était moi, genre, qui était en train de farmer comme un gros débile. Non, tu dois pas faire ça en fait. En vrai, c'est cool de jouer jungle là. Mais quand ton mid est bon. Là, mon mid est vraiment bon. C'est ultra agréable. Genre. Ah, t'as l'impression que je suis bon en 5-0? Pas du tout. C'est la première fois que je joue jungle depuis 300 games, les gens. Echo, je pue la merde avec. C'est vraiment mon Aurélion. C'est bizarre de dire ça, mais mon Aurélion carry là. En 1-3, il est en 1-3. Hein. Il a fait toute la game. Hein. Le KDA veut rien, mais rien dire. Ah, c'est chaud, hein. C'était chaud, ça, hein. Nice, la top lane, ils ont fait le décal. Wouhou. Ok, ça, c'était cool. Bonne phase de jeu, encore une fois. Bah, par contre, j'ai acheté un tome, ça me sert à rien, parce que je dois vraiment acheter ça. Là, je vais être vraiment, vraiment bien avec autant de résistance magique. Et le truc, c'est que limite, il faut pas que j'aille à la bot lane. Je vais me focus sur la résistance magique pour être fort contre les trois, là. Il faut que j'évite, du coup, la veine, en fait. Il faut vraiment pas que j'aille à la bot lane. Je vais prendre mon red buff là. Alors ma route va être dégueulasse, hein. Ne copiez pas mon gameplay parce qu'il est nul. Je teste juste un champion qui m'amuse. Mais que j'ai du mal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ma route est vraiment dégueulasse. Allez voir un bon jungle. Bah en fait celui qui m'a donné envie. Je voulais jouer Echo mid au début. Je voulais voir si je prenais les bonnes runes ou qu'est-ce que je faisais. Je voulais voir les games qu'il faisait. Et en fait j'ai vu Arc Second
je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'est quelqu'un qui jouait Diana. Et en fait, là, il joue Echo. Et j'ai regardé son build mid et j'étais comme, putain, il gagne des games, mais il est en 12-0, il fait des games de ouf. Et en fait, il joue Echo jungle. Et j'ai regardé vite fait une de ses games, parce que tu peux regarder une de ses games sur certains sites. Et trop efficace son Echo, trop efficace. Et il le joue un petit peu tanky, quoi. Là, encore une fois, je prends juste mes deux buffs, mais je devrais être présent sur la carte. Je devrais être présent sur la carte, là, je sais pas ce que je fous. Il y a un Dragon Soon en plus. En plus, je suis fed, quoi. C'est juste que j'essaie de prendre un minimum de camp. Je prends genre, les buffs, quoi, au minimum, je pense. Par contre, il va voir ton aura, hein. On va le tuer vite fait, lui, hein. Je fais mal, hein. J'ai même pas besoin de savoir jouer, j'ai l'impression. Bah écoutez, ça se passe super bien. J'ai eu de la chance parce que normalement je devais mourir là. J'ai l'impression que il a oublié de m'attaquer le Rakan. Parce que quand je suis stun, je peux pas faire mon ultime, hein, évidemment. Et du coup là, ça s'est bien mis pour moi, putain. En vrai, c'est la game de ouf. J'ai même pas eu. Ouais, j'ai cru smite et je me suis dit, faut pas que je smite ça, c'est. J'ai même pas besoin de le secure. Il faut que je garde mon smite pour quelque chose d'autre. Ok, du coup, je vais avoir ça, c'est bien. On va se prendre de l'armure après, hein. On va se prendre. Alors, normalement, son build au mec, c'est. Il prend ça. Je sais pas s'il fait tout le temps ça. Après, il prend ça. Parce qu'il est souvent contre des match-up armure, tu vois, top, jungle, etc. Donc, il prend souvent ça. Et à la fin, il prend le masque abyssal. Mais là, vu que vraiment j'ai des AP, il y a 3 AP toute la top mid lane. Je vais prendre ça. Ils ont besoin d'aide ou c'est mort? Je fais juste peur. Hein. Je fais juste peur. Je viens pas. Ok. Juste on se casse. On se casse. Il a fait son ultime. On se. Wow. Barrez-vous, bande de fous. Par contre. C'est lui, hein. On va le ralentir, lui. On va le ralentir encore avec le smite. Ok. J'essaie de jouer safe parce que. Echo, là, je suis pas habitué d'être aussi résistant. Je pense que je suis bien résistant là actuellement, mais. Tellement peur des chaînes CC que tu peux pas faire ton ultime. Genre, tu peux vraiment te faire prendre à part et tout. Je sais qu'en solo queue, manque de communication, il y a les CC qui vont être mal mis, mais quand même, ça te fait un peu peur. Je pense qu'on peut prendre une tour. Putain, mais 7-0-6. Les gens, je vous jure, hein, je joue jamais jungle. Je joue jamais jungle. Je suis le pire avec Echo. Vous vous rendez pas compte, mais quand je stream Echo mid, je fais du 0-18 à chaque game. Je sais pas le jouer. Là, je suis en diamant 5. J'ai même pas lu les sorts d'Echo. Je vous jure, hein, je sais un peu plus ou moins ce qu'ils font. Putain. C'est trop bien. Niveau. Du coup, on va pouvoir prendre peut-être. Non. On va partir là-dessus, du coup. Hop. Ça fait un peu chier parce que j'ai plus de place pour une control ward. 7-0-6. Non, mais c'est. Par contre, l'Aurélion, hein, vraiment. Hein. Il est en 2-13. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment moi. Et j'ai toujours full assist. Il y a mon putain de jungler qui prend tous les kills. Sauf qu'il ouvre sa gueule. Là, tu vois, mon jungler, il arrive. Non, je pense. Là, l'Aurélion, on voit qu'il joue bien en vrai. Mais si l'Aurélion, tu vois, il y a un moment, il se suicide dans un V5, et là, tu vois, mon jungler, il va l'insulter. Mais moi, jamais l'Aurélion. L'Aurélion peut int sa race. Il a déjà fait toute la game, en fait. Ah, je vais pas avoir la portée. Putain, nice, bien joué.
Tu t'en sors? Non, BG. Ils ont blue buff? Ah bah nice. Et si tu veux le blue buff, Aurélien, tu me dis, hein. Non? Je te l'aurais donné, mais je te donne tout ce que tu veux, hein. Au début, je sais, j'ai fait le bâtard, j'ai pris tous les kills. Je voulais juste que ce soit marqué quadra kill sur un champion que j'ai jamais joué. Alors que je fais jamais de pentakill, quadra kill. Ça me fait juste mourir de rire. Et tu vois, il y a des junglers comme Echo, moi là, qui ouvrirait sa gueule et qui pense qu'il est bon. Mais je sais que je pue la merde là. Je suis vraiment tanky, j'ai l'impression, en plus. Est-ce que je peux aller le chercher? Je pense. Oh putain, mais on est entre deux tours là! Ah merde! C'est trop agréable de jouer avec quoi les gens, putain. Je suis ultra concentré, hein. Je suis désolé pour la game où je suis un peu concentré. C'est juste que je voulais vous faire une petite game avant que... Bah comment dire, aujourd'hui en fait. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Et je me suis dit, allez, vu qu'il n'y a pas le coach abonné, je vais vous sortir une petite game écho. En espérant qu'elle soit pas trop dégueulasse la game. Et finalement, bah ça se passe vraiment bien. Alors, je répète, hein. Ne suivez pas ma jungle route, c'est nul. Ah mais c'est ouf, hein. Même le Aurélion, il est pas habitué non plus, je pense. Parce qu'il sait qu'il fait une bonne game, le Aurélion. Ok, nice. Manque un peu pour ça. Donc ouais, je répète, ma route est dégueulasse. Mon jeu est dégueulasse. Ne copiez pas mon truc. Par contre, vous pouvez faire écho jungle, évidemment. Jouez à votre sauce. C'est juste éviter de faire comme moi, c'est... Je joue pas bien là. Je sais pas si Echo est fort en jungle, je sais pas s'il est pété. S'il y a des Echo main jungle dans les commentaires, dites-moi. Parce que vraiment, le mec en challenger pète des games avec Echo jungle, les gars. Hein. J'ai regardé au pif, hein, je regardais les meilleurs Echo. Et je tombe sur un Echo jungle en fait. Et il joue Fizz mid. Et voilà. Et c'était super intéressant. Je vais même pas le stun, mais je suis vraiment une merde. Hein. Est-ce que on fait dragon ou bat les couilles? Ok, bat les couilles. Bat les couilles, d'accord, j'ai compris, on fait pas les dragons. Ah oui, mes runes. Je vais vous mettre les runes au début. Hein. De toute façon, j'ai pas besoin de vous montrer les runes là. J'ai pas spécialement envie de mourir un par un comme eux en fait. J'ai pas wardé de la game. J'ai 20 de score de vision, c'est dégueulasse. Je vais prendre le blue buff. C'est quoi, je vais juste aller farmer mon gantelet là, je sais pas quoi là. C'est gantelet givrant, je crois, hein. C'est pas là. Okay, je vais juste aller prendre le blue buff. Je vais peut-être devoir aller défendre top. Là, j'avais une phase où j'aurais peut-être dû aller les aider. C'est juste qu'il y avait des objectifs tellement gratuits à prendre, en fait. Bah, en fait, je vais quand même farmer un peu, je pense, là. Tant qu'à faire. Vu que c'est une phase un petit peu lente, je pense que je peux me permettre de farmer ça, là. Merde. Je vais juste aller prendre ça. Je vais prendre, je sais pas. Je vais prendre des control ward. Je pense que j'ai acheté pas mal de control ward là. Ouais, vas-y, je vais en acheter deux là. Ok, donc là j'ai un build. Je pense que j'ai à peu près le core build d'un Echo Jungle. C'est ce que le challenger prend. Et comme ça, il a en fait, il a un petit peu tout. Il a du contrôle avec le ralentissement, du gantelet givrant. Il a l'armure, il a de la CDR. Il a de la résistance magique ici, il a de la CDR. Il a des points de vie. Il a de la mana, il a des dégâts en AOE et tout avec son objet. Vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'il a fait là. Attends, je vais faire en sorte qu'il puisse pas se retourner.
Je vais la ralentir même si elle va aller sur la vein. Elle va me pousser la vein normalement. Ok, c'est pas grave. J'étais pas la meilleure cible à pousser, je pense. Ok, ça passe. Bah, GG. Hein. Bah, c'est la game. C'est la game en 9-0-12, les gens. J'ai rien fait du tout. Waouh. Ok, d'accord. Echo Jungle, vraiment, les gens. Vous allez peut-être en voir en stream parce que c'est vraiment trop, trop stylé à jouer. D'ailleurs, on est en stream aujourd'hui. On est en stream aujourd'hui. Je sais pas si je vais faire du League of Legends. Je pense qu'on va aller sur World of Warcraft et on va faire un défi en mode. Si on meurt, on désinstalle le jeu. On va voir ce que ça donne. Rendez-vous sur Twitch, le lien dans la description. Merci beaucoup pour la vidéo, d'avoir regardé la vidéo. C'était Echo Jungle et vous allez peut-être en voir plus. Je vais m'entraîner parce que vraiment, c'est trop bien. Du coup, à plus et à tout de suite sur le stream si vous êtes là. A bientôt, ciao tout le monde. Trop bien. Oh. Mais non, non, pas moi les gens. C'était Aurélion.